Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azouji, ce qui vient avec nous, c'est le livre. Ce qui vous habitue à nous dire, Coran, le Coran. Le Coran, c'est quoi? Le Coran, c'est un livre qui pour nous, ben musulmans, qui pour où, en tant que non-musulman, qui pour toute l'humanité, il y a une constitution. Il n'y a pas un livre pour les musulmans seulement. C'est une constitution. Ou donc, de là, une constitution, c'est quoi? Il y a la loi là-dedans. Il y a un mode de vie. Il y a une ligne de conduite. Pareil que moi, demain, j'ai un laptop, j'ai une machine lavée, deux boîtes là à l'intérieur, au fond, qui vous gagnez? Vous gagnez un livre? Vous pas fait un livre là pour gagner comment servir ça? Vous ne vivez pas la terre. Vous pouvez vivre l'eau, la terre du Créateur. Comment vous pouvez vivre à l'eau? Comment vous voulez? Non, il envoie un livre. Pour... C'est pour ça que dans la religion de l'islam, le Coran c'est quoi? Vous trouvez que c'est une constitution révélée par le Créateur, Allah, à Muhammad, paix soit sur lui, par l'intermédiaire de Gabriel, Djibril alayhi salam. Veut dire Djibril, il prend depuis le Créateur, il vient de réciter avec le prophète Muhammad, paix soit sur lui, et ça, il amène une façon de vivre l'eau la terre. Pareil comme ça même là-dedans, on peut gagner connaissance concernant le Créateur lui-même. On peut gagner connaissance l'eau de création qui le Créateur fin amener. Connais le temps, parfois, nous pensons, nous arrivons à ce niveau, nous connaissons tout là. Après quelques temps, on trouve une découverte qui dit à nous telle chose existe. Ou étonné. Mais qui est possible, si tu finis retourne vers le Coran, où tu trouves que le Créateur India ou là-dedans, il fait une très bonne chose qui vous connaît et il fait une très bonne chose qui vous pas même, qui vous pas même connaît. Il expose nous la vérité. Qui invite Ban Dimoun pour suivre l'ONCL, la voie, et surtout, il amène Ban droit moral, intellectuel, Ban façon de vivre dans une société, ça qui nous dit une vie sociale. Où vous avez tout ça, Ban aspect là. Quand vous avez dit, de base, il y a une constitution, ça, de où la case, en tant qu'individu, en tant qu'un père de famille, en tant qu'une maman, en tant qu'un enfant, en tant qu'un voisinage. En tant qu'un peuple, dans un endroit, dans un pays, en tant qu'un citoyen, ou bien le Coran y amène le tout. En même temps, pour les musulmans, c'est un miracle pour le prophète, paix soit sur lui, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un miracle pour lui, de quelle façon, à cette époque-là, les Arabes sont bien faux dans l'éloquence, dans la grammaire, dans le langage arabe. Ou donc, le Créateur révèle un livre vers lui. Qui est dans sa banne la loi là-dedans, et en même temps l'éloquence, le langage arabe, banne qui alentour trouver sa qualité arabe là, pas capable de ça, excepté, bizen créateur. De là nous différencier. Fais bien la différence entre langage arabe du Coran, langage arabe qui ou trouve banne à causer de banne pays arabe. Ou vous gagnez ça qui nous appelle banne dialecte. Ou vous trouvez chaque pays arabe et un dialecte qui se causer. Mais seulement un langage arabe qui résume, qui réunit le tout, c'est arabe du Coran. À partir de là qui nous tire, bonne grammaire arabe. Donc, ce livre-là, 400 ans de cela, il a une valeur inestimable, inimitable pour les musulmans. Et là, nous voulons partager avec eux, afin qu'ils aient premier, tiens à l'impression que le Coran saisisse un livre pour les musulmans. Mais il y a un livre pour vous aussi. Ensuite, connaît qui se valait, les pour valoriser ou pareil, quand on commence à mettre en pratique ben la loi qui est là-dedans. Ben l'exemple que vous gagnez, ou bien ben la justice que l'islam amène vers nous. Donc, comme on disait dans le début, l'islam, ou bien ben le commandement du Créateur, une façon là-dedans, il amène les dans le Coran, dans ce livre. Là-dedans, on trouve par exemple en justice, regarde sa verset qui est devant vous là. Au ban croyant, vin en dimoun qui
bien envers ce dévot, envers Allah, vin ban témoin équitable. Et qui la haine qui tue na ven, qui ken pas fait ta vin en dimoun injuste. Li permet nous, pour être une personne juste, même avec si en dimoun gai problème avec en, mon ame, mon gai problème avec en dimoun. Et pareil comme ça même, quand on fin djeou, li amène ban droit moral, qui ou vive dans une société, et get verset qui devant vous, quand il dit nous, Allah vous commande de rendre les dépôts à l'heure, ayant droit, veut dire qu'on prend quelque chose, retourner vers ce propriétaire. Donc, nous capables de dire en général que le Coran les divise en trois. Un, les causes le seul créateur. Deuxième, il y a même la loi, qu'il y soit d'un côté spirituel, ou bien familial, ou bien d'une société. Et troisième, il y a une histoire là-dedans de bonnes personnes dans le passé afin qu'ils nous tirent une leçon dans nous la vie de tous les jours. Ça, c'est le Coran qui nous trouve là, vient vers nous par l'intermédiaire de Gabriel, Jibril alayhi salam, vers le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmarin. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.